De taille imposante, le castor d'Europe possède une large queue plate et écailleuse. Il pèse environ de 15 à 38 kg pour une longueur de environ 90 cm. Il dispose d'une fourrure dense, régulièrement entretenue et peignée par la double griffe de son deuxième orteil. Ses yeux sont petits, ses pattes avant sont préhensiles et ses pieds sont palmés pour favoriser la progression dans l'eau. La queue aide à la nage en servant de propulseur et de gouvernail, mais elle a également d'autres fonctions. C'est une réserve de graisse en hiver et permet la régulation thermique en été. Le castor est parfaitement adapté à son milieu de vie. Lorsqu'il plonge, ses narines et conduits auditifs s'obturent spontanément. C'est une espèce herbivore qui taille la végétation de bordure de rivière et ouvre ainsi le milieu par l'abattage de quelques vieux saules. Ce faisant, il dynamise la croissance de différentes plantes de berge tout en les stabilisant. En construisant des barrages qui retiennent l'eau, il crée des mares qui attirent un grand nombre d'espèces, d'insectes, d'amphibiens, de reptiles et d'oiseaux. C'est surtout pendant la période hivernale qu'il abat des arbres de 60 à 80 cm de diamètre. À la belle saison, il consomme surtout des plantes herbacées et des rameaux. Les couples de castors sont très soudés et vivent en compagnie de leur progéniture. Une famille comporte en général 5 ou 6 individus. La saison des amours commence dès février. Les petits naissent environ 3 mois plus tard et sont déjà recouverts d'un pelage bien fourni. Ils apprennent très vite à nager. Tous s'abritent dans des terriers huttes qui peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de hauteur. Les castors ont pour habitude de marquer leur territoire grâce à différentes glandes à odeur. Les unes se situent sous leurs pattes, d'autres au niveau de l'anus et de l'appareil génital. Ces dernières permettent la production du castoreum, qui est une substance toujours déposée sur un promontoire, comme une motte de terre ou une touffe d'herbe. Les castors ont une espérance de vie d'environ 7 ans en miniaturelle et c'est une espèce protégée en France et en Europe. D'origine d'Amérique du Sud, le rat musqué vit dans les étangs, lacs, rivières, canaux et les marais. Sa queue écailleuse est aplatie latéralement et ses pattes postérieures munies de palmures lui servent pour nager. C'est un mammifère essentiellement végétarien. En effet, il se nourrit entre autres choses de phragmites, massettes, carex, nénuphars, etc. Il lui arrive de consommer quelques mollusques et crustacés, voire des charognes de poissons ou de batraciens. L'hiver, il vit dans des huttes qu'il construit généralement en automne. L'été, il vit plutôt dans un terrier creusé dans la berge d'une rivière ou d'un étang.